Bonjour, bonjour, ici Stéphane et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ma collection PSP. Et oui, à la PSP, hein, la première console portable chez Sony, hein, que la PSP, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça va faire 3 ans que je l'ai. Que maintenant que j'ai 3, que j'ai 30 jeux, que j'ai 30 jeux PSP et je vous ai montré quoi. C'est que des titres que je recherche vraiment, des titres par série que j'aime bien beaucoup, et voilà quoi. Mais on continue par le premier. C'est un jeu que je vous ai déjà montré sur de ma collection de la série là. C'est la collection Armor Core. Et là c'est Armor Core Formule Force Extreme Battle, voilà. Un jeu un peu de gestion, stratégie, voilà. C'est quelqu'un qui l'a fait, je vous le conseille vraiment celui-là. Et c'est cette série-là. C'est un jeu méga, voilà. Hein, un peu comme Transformers, un peu, voilà. Après, c'est un jeu, une série qui est connue maintenant, qui a presque tout le temps un jeu qui sort par an, c'est la série Assassin's Creed. Et là j'ai le Assassin's Creed Bloodline, un jeu que j'ai pas fait encore, il faudra que je le fasse. Ça fait à chaque fois que je le vois, j'ai envie de le faire et j'ai pas fait encore. Voilà, il faudra que je le fasse vraiment quoi. Après, on continue par encore une autre série qui sort toute l'année encore, c'est un FPS. Vous connaissez hein, c'est la série Call of Duty, et là j'ai Call of Duty, le chemin de la victoire. Il est pas commun celui-là, s'il y a quelqu'un qui le connaît sur PSP. Il est pas trop commun celui-là. Voilà. Chemin voilà. Et c'est un jeu que je vais vous montrer dans mes achats mensuels. Ah bah, le numéro 24. Voilà, 24. Et après, encore un jeu d'une série mythique. C'est la série Final Fantasy, et là j'ai le Crystal Core Final Fantasy 7. Voilà. La série Final Fantasy que j'ai fait que le 10. Le 10. Que j'ai fait. Et cela fera que je le fasse un jour. Après, un jeu de baston, un peu à la Street Fighter, quoi. C'est Darkstalkers Chronicles Crow 2. Voilà. Un jeu de baston. Voilà. Que je joue beaucoup des fois. Je pars au boulot, je le prends. À chaque fois, je le prends celui-là. C'est un bon jeu de combat. Je le conseille vraiment celui-là. Après, on continue par. Encore un beau jeu de. C'est un jeu TPS. C'est Dead to Right Reckoning. Voilà. Un bon jeu que j'ai. Parce que j'ai toute la série. Peut-être je vous ferai en collection série complète. Si vous voulez. J'ai toute la série de Dead to Right. Après, on continue par une autre série. C'est la série. Je vais vous montrer là. C'est la série Dissidia Final Fantasy. Voilà, le 1 et le 2 que je connais, que je venais avoir il y a un mois ou deux là, et j'ai commencé déjà le celui-là là, et c'est pas mal, je trouve pas mal. Voilà. Je sais pas, à vous de me dire quoi, si vous connaissez cette série Dissidia Final Fantasy. Voilà. Après, on continue par une autre série encore, c'est la série des Dragon Ball Z que j'ai le 1 et le 2 là, les Shinobudokai, le 1 et le 2, voilà, le 1 et le 2, voilà. Que celui-là, je l'ai fait, hein, ça fait longtemps que je les ai fait celui-là, c'est une belle série de jeux vidéo, hein, les Budokai, voilà, les Shinobudokai. Et aussi j'ai le Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Et là on a une équipe, là on choisit une équipe de deux. Regardez là, par exemple, là on peut prendre
On prend deux, Son Goku et Vegeta contre Cell et Freezer, voilà. Voilà. On se bat à deux contre deux, voilà. Après, on continue, je vous montre le Driver 76. Driver 76, les drivers, il m'en manque un encore sur. C'est sur 3DS, il m'en manque. Que j'y ai pas. Et ça, c'est un bon jeu à la. À la. À la quoi? À la GTA, quoi, voilà. Après, Tom Clancy, Ghost Recon, Predator, un bon jeu de guerre, voilà. Un bon jeu de guerre, de tactique. Après, on continue par un jeu de voiture connu, et en ce moment-là, c'est Forza qui sont mieux maintenant. Mais moi, j'ai apprécié vraiment cette série, c'est assez Gran Turismo. Et là, j'ai le Gran Turismo sur PSP, que j'ai presque toute la série. Il manque quoi comme série Gran Turismo? Il manque le 6, le 6 et le 1, un plus sur PS2, je crois, voilà. Mais j'ai encore pas essayé celui-là parce que je viens de l'avoir ce mois-ci. Je le teste. Voilà. Après, on continue par la série GTA. Les GTA. Les GTA. La série des GTA par. Bien sûr, les deux là. Les deux là qui sont sortis sur la PS2. Je les ai fait sur PS2, les deux là. Le Liberty City Story et le Vice City Story. Je les ai fait sur PS2 avant quoi. Et je les ai repris sur PSP voilà, pour les y faire quoi. Et pour info, il faut faire ceux-là avant. Celui-là, faut le faire avant. Celui-là, faut le faire avant le GTA 3. Ça c'est la. C'est une préquelle, voilà. Et celui-là, il faut le faire avant le Vice City. Voilà. Le Vice City, celui-là, le Vice City, c'est Story. Et j'ai aussi le Grand Theft Auto Chinatown le GTA voilà, Chinatown Wars, voilà. Ça, je l'ai pas fait encore, c'est un jeu, faut que je le fasse. Voilà. Et après, le Kinzo Libération, pour info, mes amis, comme je vous ai dit, j'avais un problème il y a 2 mois avec mon PC. Que mon ami il a refait, il a tout enlevé, tout effacé, les parties, les vidéos, tout ça. Et j'avais fait ce jeu-là en long play. Et peut-être pour l'année prochaine, je leur ferai celui-là, le Killzone Libération, si vous voulez. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des vidéos à court, quoi, voilà. Mais celui-là, il faudra que je refasse sur PSP, je vous ai promis. Et je le ferai pendant l'année, quoi, on verra, quoi. Le Kinzo Libération, voilà. Après, on continue par ma plus belle pièce sur PSP. C'est le Lore of Arcana, voilà. Excellente, un excellent jeu, un excellent RPG, mes amis. Que j'ai en grosse boîte, là. Voilà, en grosse boîte. Que j'ai tout dedans, j'ai le... Que j'ai... Est-ce que je vous le montre ou pas? Non, je le montre pas, je le laisse comme ça. Que j'ai tout, je vous montrerai ça dans mes achats mensuels. Dans mes achats mensuels, je vous montrerai tout. Voilà. Après, on continue par les Medal of Honor, le 1, le Heroes 1 et le 2. Que j'ai le 1 et le 2, voilà. Un excellent story, j'adore les Medal of Honor, je crois que j'ai toute la série, je crois. Il m'en manque sur PC, je sais pas si je vais les prendre sur PC. Ça, j'ai encore un doute. À vous de moi, c'est mieux de les faire que faut que je prenne les jeux PC, je sais pas encore. On verra. Mais sur console, je les ai tous, voilà. Content de les avoir, ceux-là. Les Medal of Honor, j'adore cette série de guerre. Après, on continue par Metal Gear Solid Portal Ops. Celui-là, un peu déçu, mes amis. Je l'ai fait, celui-là. Ça fait longtemps. Mais un peu déçu quand même, celui-là, du Portal Ops. Je sais pas pour vous. Mais celui-là, je suis un peu déçu quand même. Voilà.
Après, le Résistance Rédébution. Voilà, Résistance Rédébution, un jeu que je vous montrerai là, ma série complète de jeux vidéo, parce que j'ai tout, les Résistances, une série que j'apprécie vraiment, que j'ai aussi le jeu sur PS Vita. Et je vous ferai une vidéo spéciale Résistance, mais j'ai tous les jeux Résistance. Voilà. Après, Secret Agence Clank, le petit copain de Ratchet, hein, voilà, qui est un bon petit jeu de plateforme. Je vous le conseille vraiment celui-là. Un bon petit jeu de plateforme, voilà. Après, on continue par une collection. Après, c'est Mega Drive Collection. Mega Drive Collection, voilà. Qui a des pas mal beaux titres. Il y a le Sonic, le 1, le 2, le 3. Après, tu as Alex Kidd. Voilà, ils sont là. Si vous voyez vraiment bien. Voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Voilà. Les jeux qu'il y a. Je crois à la vente, je crois, des jeux. Voilà. Voilà, une même petite collection. Pour partir en vacances, ça c'est pas mal ça. Je pars en vacances, tout ça. Hop, vous prenez votre PSP. Et vous pouvez jouer à Sonic, à des petits jeux de Mega Drive, Columns, que j'aime bien beaucoup les jeux comme ça, les Columns. Là. Et vous pouvez jouer à la Mega Drive, voilà. Pendant les vacances, voilà. Et après, une série encore. Comme vous me connaissez, mon héros, mon premier jeu. Que j'ai terminé, c'est Sonic, que j'adore ce personnage, que j'aime beaucoup. Parce que j'ai Sonic Rivals 1 et le 2, que j'ai pas fait encore. Je sais que Kirby 54 veut avoir tous les jeux Sonic. Je suis pareil que lui, j'aimerais bien avoir tous les jeux Sonic. J'adore ce personnage, voilà. Que j'adore ce personnage Sonic, voilà. Après, on continue par. Ah, j'adore aussi cette franchise de baston. C'est les Soul Calibur. Pareil, ça, je vous ferai une collection spéciale Soul Calibur parce que j'ai toute la série de Soul Calibur. Et là, j'adore cette opus parce qu'on peut croquer Kratos, là. Kratos, le héros de God of War. Voilà. Et je vous ferai ça spécial. Spécial Soul Calibur pendant le cours du mois le prochain, quoi, voilà. Une excellente série de jeux de baston. Je vous le conseille vraiment, vraiment. Après, on continue par... Ah, ça aussi, je vous ai promis que je ferai en longue paix, et je le ferai pendant cette année. Je vous le promets. C'est les Underworld Legends, voilà. Que j'ai le premier sur PS3. Et je vous promets, je vous ferai ça en longue paix. Pendant l'année, on verra quoi. Voilà. Deux bons jeux, ça. C'est un peu des jeux à la Diablo, un peu. Voilà, les jeux en Underworld, c'est un peu à Diablo, un peu. Voilà. Vous connaissez Diablo, voilà. Après, un jeu de course que j'ai deux jeux maintenant de cette série, c'est les Wipeout. Wipeout, là j'ai le Wipeout pur. Pur, ouais, pur, voilà. Que je Wipeout pur et que j'ai aussi le jeu sur PS Vita. Je sais plus comment on dit le. C'est 2038, un truc comme ça, je sais plus. Voilà. Et que ça me fait deux jeux Wipeout maintenant. Enfin, je trouve la série. Je sais, ils sont sortis sur PS1, PS2, la PS3. Et enfin, je trouve ça, quoi. Voilà. Et voilà mes amis, c'est fini pour ma petite collection PS3, 30 jeux. 30 jeux, ça fait 3 ans que j'ai la PS3. La PSP, excusez-moi. Et voilà. Voilà, mes amis, 30 jeux. Comme je vous ai promis, je vous fais ma collection PSP. Et voilà, c'est fait. Pendant la semaine prochaine, il y aura aussi une collection 8. 8, moi aussi. Pareil, j'ai 30 jeux 8. Et peut-être aussi une collection PS2. Que j'ai atteint ma barre des 100 jeux PS2. Ou si ça, je ferai une collection PS2. Que j'ai atteint la barre des 100
des 100 jeux. Ça sera aussi dans le cours de mois. Et comme je dis à mes séries de jeux vidéo aussi. On verra, mes achats mensuels. Aussi les 10 jeux que je recherche le plus. À chaque fois, faut que je fasse cette vidéo. À chaque fois, j'ai pas de temps. Peut-être je la ferai peut-être ce soir ou pendant le week-end, on verra. Bon, mes amis, hein, on va s'arrêter là. Et je vais dire merci à tous mes abonnés, à mes 367 abonnés. Je vous remercie à tous. Voilà. Moi, je vous laisse. Jouez bien à la console, regardez bien les DVD. Et je vous dis ciao. Voilà. Allez, à plus.